Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce jeudi 17. Alors, on va aller faire un tirage. Je l'ai intitulé Que se passe-t-il? En fait, ça peut concerner une situation, donc dans la matière, hein, ou une personne, hein. Donc, soit c'est un problème que vous rencontrez, donc je sais pas, pourquoi je ne trouve pas de travail, pourquoi j'ai des problèmes d'argent, pourquoi ça se passe pas bien avec mon voisin, bref, un problème concret qui concerne, ou pourquoi ma voiture est en panne, enfin, je dis des choses extrêmement légères, mais parce que je crois que dans tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a un message à comprendre. Donc, mais ça peut aussi concerner une personne. Donc c'est, et ça concerne une situation où vous ne comprenez pas, non seulement, soit vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais surtout vous ne comprenez pas ce que vous pouvez faire. Hein. Et c'est bien ça qu'on va aller chercher, c'est quand même, on va quand même aller chercher des solutions. Hein. Vous savez que mes tirages, c'est toujours pour vous apporter des pistes de réflexion. En aucun cas des ordres à suivre ou à appliquer comme ça naïvement, mais c'est vraiment des pistes de réflexion pour trouver vous-même, pardon, vos solutions. Alors, juste avant. Deux choses, je vous rappelle que les bijoux que je porte sont des bijoux de la marque Apophila et que sur ces trois bijoux-là, c'est-à-dire la bague, trois anneaux, trois or, trois couleurs d'or, la bague feuille et le bracelet, vous avez jusqu'à demain soir minuit la possibilité de les avoir avec un code promo, c'est-à-dire un moins 30% de réduction. Mais c'est uniquement si vous avez fait votre commande ferme et définitive avant minuit demain. Hein, donc, il faut passer par moi. Il ne faut pas aller sur le site directement, puisque sur le site, vous pouvez aller les voir. Ils y sont, les bijoux. Mais si vous voulez profiter de cette petite promo, c'est exceptionnel. C'est pour le lancement dans la marque. Je voulais vous faire un petit clin d'œil. Je voulais faire une petite offre. Vous voulez faire profiter. D'abord, l'idée, c'était vraiment, parce que moi, quand j'ai réceptionné les bijoux, c'est les trois bijoux qui m'aiment vraiment le plus plu en ce moment. Donc du coup, comme c'est vraiment, j'ai flashé, j'ai vraiment eu un grand coup de cœur pour ces trois bijoux que je ne cesse de porter en ce moment, eh bien, je me suis dit, j'ai envie d'en faire profiter la communauté YouTube. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Apophila. Bien sûr, c'est ma marque, mais je suis actionnaire et du coup, c'est pas du tout le. Enfin, voilà, c'est important pour moi que je vois ça. J'ai dit à mon associé, à Christelle, bah tiens, j'aimerais faire un petit cadeau à la communauté YouTube. Donc, du coup, je fais cette petite promo jusqu'à demain soir minuit. Mais c'est pas sur le site, donc vous ne la retrouverez pas sur le site. Il faut regarder les vidéos et il faut passer par moi. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous êtes intéressé, vous allez repérer les bijoux. Donc, c'est la bague feuille. Alors, elle porte pas ce nom-là sur le site, mais là, j'ai oublié le nom, donc je suis désolée. Je vais vous dire le nom d'ailleurs. Tiens, pour faire beaucoup plus simple. Ah ben non, j'ai pas, parce j'ai pas le bon cahier. Donc, c'est la bague qui a les feuilles, c'est la bague qui a les trois anneaux qui se détachent et c'est le bracelet jaune, tout simple. Donc, vous allez repérer sur le site. Vous avez d'abord à choisir, pour les bagues et les bracelets, vous avez à choisir deux pierres, parce que les pierres se clipsent. Donc, une pierre, un cristaux et un cristal de bohème, une pierre naturelle et un cristal de bohème. Une fois que vous avez fait vos choix de deux pierres, vous les notez. Ensuite, pour les bagues, vous allez choisir votre taille. Et une fois que vous avez tout ça, toutes ces infos, eh bien, vous m'envoyez un mail à sylvie.coachingintuitif@gmail.com. Et là, vous pourrez, je vous enverrai le lien de paiement, blablabla, l'expédition, les frais d'expédition, tout ça. Et comme ça, vous pourrez commander. C'est jusqu'à, la commande doit être effectuée avant vendredi soir minuit. Voilà les amis. Sinon, demain soir, dernière info, très très belle initiation à la flamme bleue. Je vous rappelle, j'en parlerai demain midi en live, puisque ça ne vous a pas échappé si vous me suivez sur Instagram, qu'on a mis en vente ce matin sur Insta, une vente de pierres d'exception. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur mon compte Insta et vous verrez dans la story défiler toutes les pierres. Et j'en parlerai demain midi. Voilà, bon, ça, la vente de pierres d'exception, vous connaissez. C'est des pierres uniques que je choisis moi-même et que je vous propose avec tous leurs bienfaits à choisir. Donc, c'est vraiment. L'idée, c'est le coup de cœur. J'ai envie de l'adopter ou j'ai pas envie de l'adopter. Si vous souhaitez les adopter, eh bien, vous savez comment vous faites. Vous regardez le numéro de la pierre. Vous dites, tiens, je veux la pierre 12. Vous envoyez un mail à Apophila, vous allez sur le chat d'Apophila, vous dites bonjour Sylvie, bonjour Christelle, j'aurai la pierre 12, on vous envoie le prix et vous la réservez. Voilà, c'est très simple. Alors, je vous rappelle que les prix qui sont affichés sur Insta, sur les pierres, c'est les prix hors frais d'expédition parce qu'on ne peut pas savoir, ce n'est pas les mêmes frais si vous habitez en France que si vous habitez en Suisse ou en Belgique, c'est pour ça qu'on ne peut pas inclure les frais d'expédition. Allez, en attendant, pour toutes les autres, le blabla, c'est fini. Tout ça, on y va, c'est parti, mais que se passe-t-il? Alors, je vous explique comment j'ai préparé le tirage en amont, façon à gagner du temps. Ici, on a l'autre. L'autre est
la problématique, pourquoi ça pose problème, hein? On va aller voir un peu ce qui pose problème. Là, c'est vous et c'est pourquoi vous êtes dans cette situation, pourquoi vous ne comprenez pas, pourquoi ça ne se passe pas bien. Ici, c'est ce que l'autre veut, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut et vous, c'est qu'est-ce que vous avez à faire, comment avancer, quoi, hein? C'est vraiment, on est vraiment dans, là, on est vraiment dans qu'est-ce qu'il veut et comment avancer. On a un gros mélange là, hein? On mettra les cartes ensemble, c'est quelle solution faire pour sortir de cette difficulté. Entre ce qui m'arrive, c'est la vie en fait. Dans ce qui m'arrive, c'est la vie qui veut me donner un message. J'arrive pas à l'entendre ou je le comprends pas. Eh bien, on va aller voir comment on peut sortir de tout ça. Ok? Donc moi, ce que je vous invite à faire, vous là, c'est poser vos pieds à plat sur le sol, penser à une situation extrêmement précise, hein, une difficulté que vous rencontrez en ce moment et sur laquelle vous n'avez pas de solution. Vous comprenez pas ce qu'il faut faire. Vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive et surtout, vous comprenez pas ce qu'il faut faire pour vous en sortir. La question, ça pourrait être par exemple, si vous avez des problèmes d'argent, c'est des problèmes de, ça peut être comment me sortir de mes problèmes d'argent. Alors, je suis exprès, on va pas le formuler comment je vais me sortir de mes problèmes d'argent. On va le formuler de manière positive, c'est comment avoir plus d'argent ou comment avoir suffisamment de revenus pour faire face à tout ce dont j'ai envie et besoin. Vous voyez, on tourne ça de façon positive. Pourquoi ça ne se passe pas bien avec Pierre? Eh bien, on ne va pas dire pourquoi ça ne se passe pas bien avec Pierre. On va dire comment faire pour que la situation s'améliore avec Pierre. Vous voyez, on est toujours en relation positive. Vous cherchez du travail, c'est pourquoi je ne trouve pas de travail. C'est comment faire pour trouver un travail. Vous voyez? Ok, allez, on y va. On va d'abord aller regarder quelle est l'énergie de la situation de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, l'impératrice. La trahison et la pénitence. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. L'autre, il a l'impression. Alors, l'autre, encore une fois, c'est une personne, c'est une situation. Moi, on est sur un tirage général, donc vous, vous ad vous adaptez. Le chariot, c'est. Et l'impératrice, l'autre, il vous dit, là, il a l'impression que vous n'êtes pas vous, vous ne faites pas ça pour vous faire plaisir, vous n'êtes pas dans l'authenticité, vous n'êtes pas OK avec ça. Alors, si c'est une personne, elle est en train de se poser la question, de se dire, mais est-ce qu'elle est vraiment ou il est vraiment heureux avec moi? Si c'est une situation, c'est est-ce que cette personne, elle kiffe sa vie en ce moment? Vous voyez, si c'est un travail, bah, faut dire, bah, est-ce que les boulots auxquels vous postulez, c'est vraiment les boulots que vous voulez faire? Du coup, ça bloque parce que l'énergie qui est autour de ça, c'est. C'est comme si vous aviez perdu la situation et vous dit, tu te trahis toi-même, tu te mens à toi-même parce que c'est pas vraiment ça. C'est un peu, vous êtes en train de faire un truc par peur, là. Je dis souvent, on fait soit par amour, soit par peur. Et là, l'autre en face, il sent que vous n'êtes pas totalement détendu, totalement open, totalement, ouais, ça vous fait pas kiffer plus que ça en fait en vrai, hein? La situation ou la personne ou ça se passe, voilà, y a, comme si vous étiez en train de faire des compromis avec vous-même. Et cette personne ou cette situation, elle sent et c'est pour ça qu'elle est sur le frein. Alors vous, est-ce que ça va bien vous dire de vous là? La communication, alors, on a l'amour, bah ouais, c'est tout à fait cohérent. L'amour et le bonheur, on a le magicien, donc le battleur, hein, on pourrait appeler ça le battleur dans une autre et l'initiation. Vous êtes poussé à aller vers quelque chose de nouveau. En fait, on vous dit, c'est pas que c'est pas la bonne personne, c'est pas que c'est pas la bonne situation, mais c'est que vous êtes invité. Alors, si c'est la personne, c'est peut-être, si ça concerne une personne, c'est peut-être lui dire vraiment ce que vous voulez faire ou vivre avec lui ou avec elle. Hein. C'est vraiment dire, bon, qu'est-ce qui vous, vraiment, si vous osiez, hein, la question là qu'il faut vous poser, si j'osais, je ferais quoi? Eh bien, il faut le faire, il faut le dire. Eh bien, dans le boulot, dans la situation matérielle et financière, eh bien, c'est un peu ça. Si vous avez des problèmes d'abondance, c'est parce qu'à un moment donné, vous êtes en train de faire des trucs par obligation et non pas parce que vous kiffez. Donc là, la question à vous poser, c'est vous dire, mais finalement, si tout était possible dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais vraiment? C'est ça, en fait, c'est pour ça que ça bloque, c'est pour ça que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous avez perdu la petite flamme qui vous fait. Alors, soit ce que vous faites en ce moment ne vous fait pas kiffer, soit, parce que ça peut, on va mettre aussi un peu de bémol là-dedans, parce que c'est important de mettre de la nuance, hein, vous allez mieux comprendre. Moi, je donne toutes les infos pour que vous compreniez au mieux. Soit ça vous fait kiffer, mais il y a autre chose qui vous fait encore plus kiffer, vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas le faire. Vous voyez, c'est oui, c'est bien, ok, cette situation. Oui, ce boulot, il pourrait me convenir, mais il y a un autre truc à côté que je voudrais faire. Oui, tiens, j'aime bien cette personne, j'ai vraiment envie de vivre avec elle, mais je voudrais ça en plus. Vous voyez, je n'ai pas dit forcément une autre personne, hein. On n'est pas chez Nelly, Willy et Laura, là, hein. On n'est pas du tout là-dedans. Non, c'est vraiment, je veux plus.
Là, l'univers, il vous dit, mais Rose, allez, qu'est-ce que tu veux vraiment? Dis-le, crache le morceau et tu verras. Bon. Ensuite, on va aller voir. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous osez pas? Alors, pourquoi vous n'osez pas? La tempérance, la justice, les racines, la communication. Oh là 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 là. Ben vous ne le savez pas parce que vous avez peur de déplaire, vous avez peur que ce soit pas juste, vous avez peur que ce soit pas dans la norme, vous avez peur que votre demande soit perçue comme un truc complètement délirant, extravagant, comme si vous osiez, vous dites mais non, mais c'est pas possible. Alors il y a aussi peur de ce que les autres vont penser, voyez, mais non, mais si je dis ça à cet homme ou si je dis ça à cette femme, ou non, si j'ose postuler sur ce poste-là, voyez, là il y a toutes les croyances limitantes autour de vous, là, où vous vous dites mais. Mais non, en fait, vous n'osez pas, vous avez peur de déplaire, vous avez peur de ne pas être dans la norme, vous avez peur de sortir du rang, vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou, quand je dis un fou, c'est au sens ouais, complètement allumé ou ça va pas. Moi, vous voyez, si c'était un boulot, j'ai envie de dire, vous postulez pas ce que vous dites, mais non, mais je suis pas au niveau, c'est nul, c'est pas la peine. Ça, ou alors, ça va pas intéresser. Bref. Si je dois résumer, on va aller voir un peu là pourquoi ça bloque. Ça bloque parce que cette situation, l'énergie qu'il y a dans cette situation où cette personne, elle dit, mais vas-y, dis vraiment ce que tu veux. Vous voyez, prends pas les trucs par défaut, prends pas les trucs à moitié. Alors, on va voir pourquoi. Pourquoi ce truc-là, il vous dit, mais t'es pas authentique et ça me va pas. Pourquoi? Le pape, le fou, l'éternité, le départ. Eh bien, parce que. À travers cette personne, à travers cette situation, l'univers, il est en train de vous dire, tu mérites plus grand, tu mérites mieux. Alors attention, si c'est une personne, cette personne, elle n'est pas en train de vous dire, tu mérites mieux que moi. C'est pas forcément ça. Ça peut être dire, on mérite mieux, notre relation mérite mieux, on peut peut-être encore aller plus loin. Mais vas-y, ose. Il y a vraiment cette idée de, ose me dire ce que tu veux vraiment, même si tu as peur que je trouve ça délirant. Il y a un nouveau départ, là. Il y a quelque chose de nouveau à construire avec cette situation. Donc, le boulot, eh ben, peut-être que vous postulez sur un boulot qui n'est pas assez waouh pour vous, hein. Vous voyez petit, vous jouez petit, en fait, me disent les guides. Mais jouez plus grand, hein. Vous êtes un être divin. Vous pourriez être surpris, en fait. Faites les questions et les réponses. Vous êtes persuadé que ben non, c'est pas la peine, ça ne plaira pas. Ben non, c'est pas la peine. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de très nouveau, là. Il y a un nouveau départ. Bon, dans l'hiérophante et le fou, il y a vraiment prendre sa vie en main là-dedans, hein. Nouveau départ, un départ définitif aussi. Il y a des choses qui sont amenées à bouger, à changer, mais franchement, pour du mieux. Pour du mieux, c'est pour du mieux. C'est-à-dire que la demande que vous faites, elle n'est pas assez grande pour vous. Vous voyez trop petit, vous pensez trop petit. Cette histoire d'amour, là, si ça concerne quelqu'un, eh bien, allez-y, déclarez-lui votre flamme. Jouez pas petit, jouez pas, on commence, on essaie, puis on verra bien. Non, lancez-vous dans cette histoire. Un nouveau boulot, arrêtez de postuler sur des trucs petits pour vous. Quand je dis petit, ça ne veut pas dire qu'il y a des jobs qui sont mieux que d'autres, ça veut dire pour vous, toujours par rapport à vous. Vous pouvez faire plus, vous pouvez avoir plus de la vie, vous n'osez pas assez demander à la vie. On n'ose pas assez demander à la vie, hein, parce que si vous tombez sur ce tirage, c'est que on vous êtes concerné. Alors, on va aller voir maintenant comment, du coup, on peut faire. Hein. Qu'est-ce que l'autre, il est prêt à faire pour nous, puis nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, OK, on a compris, on ne demande pas assez, mais si on ne demande pas assez, c'est qu'on a peur. On a peur de déplaire, on a peur de passer pour un fou, on a peur qu'on nous dise non, on a peur de sortir du rang, on a peur que. Enfin, voilà, on a peur. Et ça, c'est humain. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? L'autre, il nous dit là, voyage, ermite. Chariot, allez, boum encore, et égarement. Prends le temps de l'introspection, hein. Prends ce temps un peu là où tu n'obtiens pas ce que tu veux, où tu ne comprends pas ce que la vie te dit, où tu ne comprends pas le silence, où tu ne comprends pas l'autre. Prends un temps pour faire une espèce d'introspection et accepte de te perdre à l'intérieur de toi-même, de reconnecte-toi à ton corps en fait. Écoute tes intuitions, écoute ton corps ne ment jamais. Écoute-le d'abord dans un premier temps, avant de passer à l'action, écoute-le. Ensuite, toi, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? La mort, la roue de la fortune, bah, ouais. L'illusion, l'engagement. Et ouais.
Là, il y a vraiment, prends le temps. Il y a de toute façon, et là, je vais vraiment être dans un peu de voyance. Hein, c'est vrai, des tirages, il y a du changement dans l'air. Voilà, là, on est vraiment clairement, même si c'était pas la réponse, mais enfin, je suis quand même obligée de vous le dire. Il y a du changement dans l'air. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, des choses qui vont vous demander de vous engager et de choisir. Hein. La roue de la fortune, le chariot, là, on est bien dans du changement, de l'engagement. Donc, il y a des nouvelles propositions qui vont arriver à vous, hein, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie à travail, amour, je ne sais pas, mais ça arrive. Et c'est peut-être ça que vous pressentez et vous avez peut-être un peu peur. Donc peut-être, hein, en fait, vous êtes dans une situation, hein, la question c'était, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je comprends rien à ce qui m'arrive en ce moment, où il se passe rien, justement, hein, où ça se passe pas comme je veux, je comprends pas, j'ai l'impression de tout faire, je fais des rituels, je fais des trucs, je fais des machins, puis j'obtiens pas ce que je veux. Ben, moi, j'ai la réponse. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer en sous-marin, là, j'ai le nouveau départ, j'ai l'engagement, j'ai la transformation, bref. J'ai le voyage, il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. Il y a une opportunité qui va venir à vous. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une rencontre amoureuse. Je vous dis tout ce qui vient et vous prendrez. Ça peut être une rencontre amoureuse qui va vous inviter à déménager, peut-être même à changer de pays. Bref, il y a un coup de foudre. Ça peut être un truc. Bon, voilà, cet homme, cette femme, je ne peux pas vivre loin de lui. Bam, j'y vais. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est loin et vous décidez de vous rapprocher. Ou lui, cette personne, vous y allez, on s'engage. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'était pas libre pour les triangulaires. Ça peut être quelqu'un qui n'était pas libre, puis d'un seul coup le devient et bam, il vous propose ou elle vous propose de s'engager avec vous. Bon, en amour, ça peut être ça. Dans le boulot, ça peut être une magnifique opportunité qui arrive que vous n'aviez pas vu venir. C'est peut-être pas le poste auquel vous avez pensé. C'est peut-être pas le job auquel vous aviez pensé. C'est peut-être, si vous êtes à votre compte, c'est peut-être une nouvelle activité qui est en train de se créer là, comme ça, à bas bruit. Et puis, ça vous ennuie un peu. Enfin, c'est pas que ça vous ennuie, pardon. C'est pas ça. C'est, vous savez pas trop, voilà. Et du coup, bah, peut-être en ce moment, vos autres activités ralentissent parce qu'il y a cette nouvelle qui arrive là et qui va vous demander beaucoup de temps. En tout cas, moi, je ne le dis pas pour vous faire plaisir parce que vous savez que ça fait quand même maintenant, il y a plus de 1000 vidéos sur cette chaîne et c'est plus de 4 ans que j'ai cette chaîne. Je crois qu'on va fêter les 5 ans, dans pas très longtemps. 2019, 2020, 2021. Attendez, alors septembre 2018, donc septembre 2019, septembre 2020, septembre 2021. En 2022, en septembre 2022, on fêtera les 4 ans de la chaîne. Et du coup, bah voilà. Donc vous savez que je raconte pas de bêtises et que je suis vraiment quelqu'un qui vous dit les choses. Donc moi, ce que je vous dis là, c'est oui, il y a du changement dans l'air. Oui, il y a des choses qui arrivent. Oui, ça va être waouh, mais c'est pour du bien. C'est pas des catastrophes qui arrivent. Donc on se stresse pas. Il y a du changement. Ça bouge. Ça se passe pas comme vous voulez, mais enfin, c'est pas comme si je l'avais pas dit depuis un petit moment. Mais il y a des belles choses qui arrivent. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est d'ouvrir la porte. C'est dire ok, bon bah écoute, je sais pas trop ce qui se passe, mais vous savez que ce qui est en train de se passer, c'est pour le meilleur pour vous. Voilà les amis. Bien. Et bien sur ces belles paroles, parce que j'ai très 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 chaud, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous rappelle donc la vente de pierre, tout ça, blabla. Sinon, on se retrouve dès demain pour un prochain tirage. Bye bye.